Coucou le live! On démarre sur du Total War. Hop, transition. Ciao, ciao, ciao. Alors. Parti. Continue la campagne. Marc-Antoine et Cléopâtre. C'est pas trop cette période-là qu'on joue. Même si on va peut-être commencer à la guerre des Gaules en même temps que la guerre des Balkans. Peut-être faire une première guerre pour récupérer la Provence et l'Hispanie. C'est dommage que la région ressemble à ça parce que moi j'aurais voulu juste cette partie-là, mais quand on n'a pas la région complète, c'est beaucoup plus chiant. Parce que le but de l'Empire romain, c'est de posséder l'intégralité de la Mare Nostrum, quoi, la mer intérieure. Bon, du coup, on va péter la tête à celui-là, celui-là, puis celui-là. Si, si, on va lui péter la tête à lui aussi. Ok, très bien. Là, voilà. C'est un peu la merde. Ça ira normalement mieux avec Lady. Est-ce qu'il nous restait des trucs à faire? De toute façon, on est en guerre contre personne, donc on n'a pas grand-chose à faire, c'est ça. Nous avons faim de bataille. L'armée, là, je l'envoie ici. Ah, j'espère qu'ils vont récupérer Marseille quand même. Quand même. Récupérer Marseille. C'est qui eux? Ah, c'est une flotte, je crois. J'envoie aussi une flotte à Massilia. Destination atteinte. Il me semble. Ouais, Carthaginois cassé où? Sinon, je vous bute, c'est pas compliqué. Oh la vache, j'avais pas vu. C'est Zarvern qui possède Majorque. Ça commence vraiment à être n'importe quoi à ce niveau-là. Zarvern deviennent extrêmement puissants. Sabotage. Ici. Toujours au service de Rome. Alors, 74. Ouais, c'est celui-là plutôt. Ennemi assassiné, rang supérieur. Non, parce que c'est pas que, mais c'est relou, quoi. Chance de succès critique, ok. Ouais. C'est quoi ça? Ça s'appelle autorité, administration. Donc là je gagne 5, là je gagne 5 pour l'assassinat.
ça c'est clairement mieux. Prêt pour vos ordres. Je suppose que si je quitte... Ouais, c'est en négatif. Les villes, comment je peux faire en sorte que ça soit mieux? Cinq tours. Ok. Parce que là actuellement si je quitte je suis à moins 4, donc c'est à dire que dans 4 tours ça sera mieux. Mais c'est chiant 4 tours putain. Surtout qu'il faut pas que j'aille là, faut que je retourne ici carrément. Bah déjà je pense que je peux aller là. Ouais. Déjà ici c'est mieux. Ça c'est ma flotte que je ramène ici. Et prochain tour, s'ils se font pas récupérer par Massilia, je les attaque pour prendre la ville. Confédération gauloise qui sont jusque là. Carthage s'est un peu fait ruiner la gueule quand même. Ils sont en guerre contre Confédération gauloise qui est absolument pété. Ouais, faudrait que je récupère Provencia. En plus, je leur couperai leur truc en deux et ils perdraient beaucoup de territoire là. À cause de guerre à la con. Massilia, ils sont en guerre contre qui? Juste contre ceux-là. Je sais même pas s'ils ont le droit de passer où ils sont. Ils pillent, mais est-ce qu'ils ont le droit? Je sais pas. Bon allez, on passe le tour, hein. Du coup on n'a pas réfléchi à 10 000 ans. Alliance défensive, non. C'est reparti pour demander de l'or. Ah mais non, mais Massilia a été récupérée. Construction double planche, d'accord. Je fais beaucoup de militaires. Hein. Ouais, c'était ça. Si je fais celui-là, j'aurai des taux de reconstruction de troupes. Déplacement des armées et des flottes. Ça, c'est pratique. Ok. Écoute, les unités de siège. Ça, faudra peut-être que je le fasse à un moment donné. Bah ça c'est bien par exemple. Plus 2 de... d'ordre plus 8 et plus 3 après. Ouais, on va peut-être faire ça. Ça permet les aqueducs. Zagduc. Ah déjà on va faire ça. Parce que l'ordre république dans certaines régions.
À votre service. C'est impossible. Bon, il a toujours un moins 4. Il y a une douille, les mecs. Ça augmente aussi le taux d'imposition de toutes les colonies contre eux. Augmente l'autorité du général et réduit le coût d'entretien. Toujours au service de Rome. Un homme qui pense est certes dangereux. Hop, bon bah c'est là du coup vous allez continuer à marcher, vous allez venir jusqu'ici. S'il y a besoin de 4 légions pour abattre une nation, il n'y a pas de souci. Je le fais, je m'en bats les couilles. Après il va falloir descendre sur la Grèce. Plus de pacte avec eux si hein, une alliance pas une alliance un traité d'échange alliance défensive avec eux. Sparte on n'a rien. Macédoine, on pourrait aller péter les Macédoniens pour récupérer cette partie là et prendre qu'au dernier moment. Je suis sûr que vous venez porter des mots honorables que j'écouterai aimablement. Ok. Donc là, on va récupérer ça. Lui, il me gave, mais on va pas le récupérer tout de suite. Quand on va choper Macédoine, quand on va remonter là sur la Thracie, on retombera sur lui. Puis sur la Bithynie. Et ainsi de suite. Allez hop, ça part au four. Ah, je suis écrasé dans ma chaise moi. Alliance défensive, non. Vous avez servi. Là on va arriver au moment où je vais devoir trahir mes ennemis en fait, mes alliés. Ne donnerez-vous pas un peu. Non. Bah si, c'est bien avec le zèle qu'on a un entraînement militaire. Non, non, non. Destination atteinte. Fais chier. Commandant.
Il me gave. Avancez. Avez-vous d'autres ordres? Nous avons faim de bataille. Votre prochain ordre? Je veux des patrouilles toutes les heures. Il faut chier sa mère. Où est-ce que j'ai des armées? J'ai une flotte là, une armée là. J'ai encore une armée là. Et une flotte. Enfin, un peu beaucoup quand même. Je pense que je vais ramener l'armée là et que j'irai attaquer les Lusiniens à ce moment-là. Je ne lis toujours pas le cyrillique, désolé. Mais bienvenue à toi. Welcome. Ma flotte, je la ramène à Gênes. Fera toujours une armée dans le coin. Voilà. Si je déclarais la guerre à Lusigny. Ok. Bon là j'ai fait une intrusion, donc du coup c'est sûr que ils vont pas kiffer. Expansionnisme plus 5. Ah c'est tout. Moins 31 à cause de l'intrusion quoi. Non. Ces mots sortent-ils de la bouche d'une personne sobre? Alors il me faut. C'est plutôt l'inverse qu'il faut demander, quoi. Un pacte de non-agression avec une puissance expansionniste et en plus tu veux les faire payer. À un moment donné, tu cherches la merde. Les Gaulois, ils sont expansionnistes, ils me demandent rien, quoi. Ils savent très bien qu'on va se taper sur la gueule à un moment donné. Cause naturelle, un amiral. On a 10 amiraux, on met de la merde. On met ce qu'on n'aime pas. Ah non, c'était pas à moi qui était. Il est général de quelle armée lui? Noreya. Ah, j'ai pas retenu son nom. Appius Rabirius. Là, c'est le général de la première armée. Tout simplement, tout bonnement. En marche. Voilà. Bon. Bah guerre. Maintenant qu'on est plus chez eux, on peut déclarer la guerre sans passer pour un des fils de pute. Allez, je vous écoute. Je vous préviens, je ne supporte pas le. Voilà, calme-toi maintenant, Jean-Michel. Prêt pour la bataille. Nous avons faim de bataille. Alors. 19 troupes, là il y a. Ouais, là il y a clairement ce qu'il faut. Là c'est la première légion donc. Encore et toujours ce qu'il faut. Hein. Et en plus ça s'entraîne. Ah tiens, qu'est-ce qu'on peut te rajouter?
Du zèle. Ouais, du zèle peut être utile. Nous avons faim de bataille. Avec cette légion là. Ah, je prendrais bien deux en plus. Êtes-vous prêt à servir? Deux en plus pour avoir les réserves. Là, si je sors, je suis à moins 7. Comment ça se fait? Ah, 5% d'assassinés, 4%. Donnez l'honneur d'un œil. Voilà. Déjà, ça va être calmé un peu. Prêt, volontaire et capable. Ah, ça. Ça augmente la culture, c'est bien. Ouais. Fils of Martial. Administration militaire moins. Ouais. Simple autorité, ok. Non, bah on va prendre ça du coup. Voilà, qu'on vienne pas me faire chier. Et bah, guerre, mes amis, guerre. Temple de Jupiter, je pense, oui. Quand même. Hop. On augmente les ports. Là aussi, là aussi. Là, j'ai pas encore les aqueux du queue. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisser ça comme ça. On aurait peut-être pas dû, mais on va laisser ça comme ça. Carthago. Carthago, tout est bien. Mauritanie, on augmente ça. Et on a plus d'une. Et bah très bien, prochain tour. Et après, on partira sur cette guerre-là. Pour remonter timidement comment ça s'appelle? Confédération gauloise. Qui va, à mon avis, être le plus gros ennemi qu'on a jamais eu. Bien plus que Carthage. Alors, on a 4 pays. Et épéiste. 9 lanciers, 2 épéistes en plus, des frondeurs. Ah oui, non, mais première légion. Non, mais vraiment, cherchez pas les mecs. Vous n'avez aucune chance. Alors, ah, on est tout au fond là. Bon non, autant se mettre là. Alors j'ai... Cela faudra que je les change. Ah, j'ai pas vu s'ils avaient de la... S'ils avaient de la cavalerie ou pas.
Voilà. Ah, je le fais dans le même sens. Chaque fois. Très bien. Hop, les deux unités de réserve. Alors clairement, là, on fait le château. Là, vous, vous reculez pas, flèche enflammée, tout ça, tout ça. Cavalerie, cavalerie. En général, on va le laisser tout seul. Pour qu'il soit en plein milieu des troupes. Les deux cavaleries, on va les laisser là pour attaquer au dernier rang. Ah, bien sûr, baliste en explosif. Les chevaux du Sénat et de Rome sont sur nous aujourd'hui. Et on va privilégier le général qui est une troupe de très très lourds. Parce que c'est ça les Gaulois. Les Gaulois, ils ont une... Enfin, Gaulois, tout ce qui est celte. Ils ont une... Une infanterie, mais extrêmement loin. Bah comme les Romains mais... Je sais pas en fait, ouais. Voilà donc ça bute des troupes petit à petit. Avec un peu de chance leur général, hein, mais... On tue des hommes petit à petit. C'est toujours ça de prix. Quand même beaucoup d'épéistes en fait, ce qui est un peu risqué pour nous parce que nous on est très bon contre les lanciers, mais les épéistes bah au final on se retrouve avec la même puissance en face quoi. On va faire reculer derrière les lignes.
C'est bien parce que les lanciers ils les mettent derrière, donc enfin c'est bien pour eux. Pourquoi tu tires pas toi? Donc ça, les premières unités commencent à s'enfuir. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Les balistes, c'est presque fini. Bon, nos hommes ont presque pas perdu. Cavalier de mêlée. Omidiamus. Equites. Cavalerie, avancez. À l'attaque pour Rome, ennemi de mêlée rapide. Suivez mon kit maintenant. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. On va les empêcher de revenir, ouais, quand même. Parce qu'ils sont en déroute, mais on sait très bien que la déroute. Pour la gloire. C'est pas définitif. Donc là, on va charger dans eux. Cavalerie, cavalerie, avancez. Engagement. Écoutez. Cavalerie de mêlée parée. Route cavalerie au galop. Bon, mais fuyez, vous êtes relou. À votre commandement. En cavalerie, au galop. Eh merde, ma cavalerie vient de se faire charger dans le dos. Pardon, hein, je fais de la merde là. Bon, on a réussi à tuer le général ennemi. Ouais, bah voilà, c'est terminé. On continue un peu. On bute du monde avec la cavalerie. Général.
C'est vrai que j'oublie beaucoup trop souvent la cavalerie. Voilà, on capture, on détruit tout ce qu'on peut. Parce qu'on sait qu'on les aura en face à un moment donné, donc. Les deux cavaliers. Les deux auxiliaires qui. Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Bah, la cavalerie qui leur arrive dans le dos. Ah merde, j'avais pas vu combien il y en avait. Je me demande s'ils en ont pas tué 40 en une seule charge. Nos unités cachées ont été découvertes. Elle chasse un mec solo. Là, il y a cette connard. Là, la cavalerie arrive pile avant la fin. Ah non, d'accord, ok. Bon bah, il reste plus que. Ah là, je savais bien qu'il en restait une trentaine. Là ils sont déçus. Là ils sont grave déçus. Il en reste. Il en reste 3. Allez. On quitte la bataille. Victoire décisive. As usual. Alors. On a quand même eu 300 pertes. Oh là là, mais les cavaleries qu'on fait 300 chacun. Alors juste cette cavalerie là, elle a tué ou capturé plus d'hommes que tout le reste de l'armée. Je crois que c'est ça leur souci des Celtes, c'est qu'ils n'ont pas de cavalerie.
Donc contre les Celtes, avoir plus de Triari, c'est pas vraiment utile. Les deux que j'ai suffisent, mais contre par exemple les hommes de l'Est ou 200 captures. Ouah, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, non, elle est tue. Je vais capturer et par là et par l'autre côté. Ça va très bien se passer. Mon général est devenu de rang niveau 2. Ah, bah oui, lui. Ah, t'es déjà à plus 11 alors que t'es rang 1? Comment ça se fait? Ouais, j'avais envie de le faire autoritaire en fait. Non, ça c'est quand je recrute qu'il a besoin d'être autoritaire. Bah non, bah guerrier, hein. Laissez les battre en retrait. On maintient le siège. Nous avons faim de bataille. Tout de suite. La deuxième légion qui vient aider. Bon, comment dire que ça va être très compliqué comme siège à mon avis. Nous prenons cette colonie. Oui, non, assaut, pardon. Hop. Les loups hurlants. Waouh. Agro gros. Par où je vais attaquer? Sec, commencer le déploiement. Tout à fait. Ils vont arriver par ici. Bah si nous on les fait chier de ce côté-là, ça serait très bien. Par contre, encore une fois. Ah oui, celle-là a pris cher. Toi, tu vas rester de ton côté, le prime qui pèse là, hein. Troupe de combat en attendant. Les Triari vont se toucher la bite. Ah oui, non, non, on va replacer les balistes. C'est le seul truc. Pause. Donc directement. T'es plus par là. Alors non. Ok, très bien. Baliste. L'une qui détruit celle-là, l'autre qui détruit celle-là. Et allons-y gaiement. Quand nous prendrons ce lieu, ce sera un coup dur pour nos ennemis et leurs ambitions.
Enflammé. Ah, les deux en fait. Enflammé. Nos renforts sont arrivés. La bataille tourne en notre faveur. Sans déconner qu'elle tourne en notre faveur. Vraiment, je l'aurais pas vu tout seul. Bon, tout le reste, ils vont se placer là. Moi, vous pétez ces tours à flèche. C'est tout ce que j'ai besoin en fait. Ah, et par contre, faut vraiment me les péter quoi. Faut pas faire ça. Hein. Oh, mais elle passe tout à côté. Alors, je vais ramener eux. Je vais ramener eux aussi. Ah, je sais pas pourquoi ils sont tous partis au dernier moment. On va plus avoir beaucoup de munitions de balistes. D'accord. Alors vous déjà, vous allez attaquer dans le dos ici. Vous allez prendre la zone. Et vous allez empêcher qu'il y ait du renfort. Non, vous allez aller à tour de flèche là-haut. Non, tortue offensive. Charge dans le dos qui fait du bien quand même. Hein.
Non, bah vous, elle est là en fait. Et vous, arrêtez tortue offensive et allez là. Non, par contre, allez-y en courant. Mais qui fuit le champ de bataille? Oh putain! J'avais pas vu ça! Oh mais je suis trop con! Pour la première fois au monde, un des paradoxes à la sortie sont sortis pour attaquer quoi. C'est collector putain. Oh, un petit coup de lance dans le dos là. Nous avons capturé une tour. Voilà, c'est bien ça. Alors en face, on va faire une petite attaque dans la porte d'entrée. Non, là j'avais déjà mis l'enflammé, c'était bien. Au pas de course. Oui, qui passe. Au pas de course. Astati. Au pas de course. Oui, qui passe. Gare. Tribunus. Ouais, bon, par contre, on va éviter le TK en fait si c'est pour buter nos cavaleries. Vraiment. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Mais vraiment? Les balises sont venues au corps à corps?
Equites. Cavalier de mêlée. Vite maintenant. Continuez. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Cavalier de cavalerie, au galop. Principes. Écoutez. À cavalerie, avancez. Ordre bien compris. Là, ils nous ont attaqué. Principes, nous obéissons. Au pas de course. En gardez la vitesse. Même vitesse. Romains prêts à faire leur devoir. Principes. Bon, pendant ce temps-là, nous on capture, on s'en bat les couilles. Hop, le général est mort. On est en train de buter, c'est quoi ça? Voilà, il n'y a plus de troupes, terminé. Et bah, très mauvaise partie. J'ai très très mal joué. Putain, j'ai eu plus de 70 TK. Oh la vache. C'est une honte. On capture. Prêt pour vos ordres. Commandant. On a pas gagné de rang. Par contre, on va le promouvoir. Parce qu'on n'a pas assez d'influence.
promouvoir encore. On s'en bat les couilles, on a des issues maintenant. Toi, on répond à une heure. Ils ont trop de puissance. J'ai plus de thunes. Ok, très bien. Toi, tu vas aller là. Mais bien sûr que la route est bloquée. Bon, là, on va faire un assaut. Sans avoir de deuxième assaut, on va pas être pris ailleurs. On va faire de la merde. Hop. Enfin, quand je dis on va pas faire de la merde... Inch'Allah, comme on dit. Encore une fois, la map classique, j'ai pas envie de la faire comme d'habitude. Je vais attaquer par ici, tout simplement. On va attendre. Et on va commencer. Par ici ou par là? Par ici. Alors. On les triarie, on les met là, on sait très bien qu'on les utilisera pas. Ceux-là, on les met là, on sait qu'on les utilisera. Ceux-là, on les met là. Les charges à l'intérieur des villes, c'est un peu compliqué. Là, on va abattre ces tours-là, c'est sûr. Et Air Général, vous venez. Enflammé, boum. Sur la tour. Une fois cette bataille terminée, le mot romain sera un synonyme de courage ou... Je me ferai passer pour une vestale et me retirerai au temple. Pour l'instant, prenons cet endroit. Et bah putain, vous visez mal mes cocos. C'est faire un peu plus péter la gueule. Pauvre maison là derrière. Marchand de carottes là. La tour ennemie a été détruite. Attends, ouais, quoi que, on va peut-être faire de. De l'obus sur les infanteries de mêlée. Principes. Au service de Rome. Venites. Au pas de course. Commence à se prendre des cailloux sur la gueule.
Ah non, c'est un fossé lance-projectile. Non, non, c'est des lances. Un peu plus mal. On perd beaucoup d'hommes ou pas? Non, mais les hommes doivent perdre des points de vie, par contre. J'espère qu'ils n'en perdent pas trop. Hop, on stoppe le tir. On ramène les balistes à peu près à ce niveau-là. Comme ça, on pourra avoir une meilleure... meilleure zone de tir. Là, les deux là vont pouvoir passer par ici parce qu'ils vont être plus ou moins tranquilles, j'ai l'impression. C'est bien là, sur les deux flancs. Nickel. Enflammé, comme ça on sait quand on tire. C'est mieux. Voilà, ils sont pris en sandwich, ça va pas faire un pli. Bon là ça a l'air de un petit peu galérer. Formation tortue, il devrait s'en sortir normalement. Allez, un jeté de pylône là. Oh là là, mais les tours à flèches, elles font tellement de dégâts, c'est incroyable. Là, ils sont écrasés contre les murailles, ils ont plus aucune chance. Ok, porte capturée, on ramène eux.
combat paré en attendant. Cours. On va mettre 3 unités par là, 3 unités par là. Et on va sandwich au milieu. Équitesse. Oh, la portée de la tour à flèche est assez impressionnante. Au service de Rob. C'est le plus simple par là pour eux. Alors, on prend de l'enflammé, on tire sur la tour à flèche. On s'entraîne hein, avec les balistes. Presque à bien viser. Hein. Notre général se fait attaquer. Gardez la vitesse. Cavalerie au galop. En plein milieu de la tête. Prime qui pèse. Nous avons capturé une tour. En attaque, toi. Donc là, on va leur faire comprendre qu'ils n'ont aucune chance. En attente, Green qui pèse.
utiliser toutes ses munitions. Vinkipes! Allez, la petite charge dans le dos quand même. Voilà. Encore un peu trop de TK, hein, mais bon. Hop. Alors, la 4ème Légion. Voilà, on lui met ça. Très bien. Ah, mais ils ont une autre ville. Oh ouais, non, non, il y a Andacia, non, c'est mort par contre. Hein. Je vous dirais, oui. On accepte la défaite. Nos troupes sont vaincues. Talali, talala. J'ai plus une thune, c'est vrai que j'ai oublié ce détail. C'est le tour d'avant qu'ils ont fait ça. Ah, que j'ai fait ça. Et allez, hop. Qui n'a pas été monté? Lui. Deuxième légion Aquitaine. De la folie, mais bien sûr c'est de la folie d'aller juste ici. Alors je sais pas exactement tout ce qu'on capturerait si on allait jusque là. Oui, on a un traité commercial avec eux. On va annuler celui qu'on a avec eux. Les dieux veulent que je vous écoute, mais ne passez pas la journée sur des mots insignifiants. Il n'y avait pas d'honneur à échanger des babioles de toute façon. Les vrais hommes échangent des coups, même si c'est juste pour s'entraîner. Ouais, bah écoute, si tu veux qu'on échange des coups, il n'y a pas de souci, hein. C'est ce qu'on peut faire. Moi, perso, chouchou patate. Ok, donc il possède tout ça. Il possède tout ça. Carthage, il possède ça. Ah, ils ont repris. Ils ont repris Minorque. Ou Majorque. Je sais plus c'est lequel il est. Allez, fin de tour. Organisation du travail terminée. Ok.
Population soucieuse, où? Ici, ok. Population mécontente, où? Ici. Oui, bah, vous allez vous calmer, vous. Ah, on n'est pas lié au moment de l'attaque là. Si attaque il y a. Elles viennent de se retirer d'ici pour venir ici. Vous, vous m'énervez avec vos légions, hein, juste devant chez. Comment puis-je servir Rome ? Mon esprit et mes mots vous appartiennent. Prêt, volontaire. On va aller leur foutre la merde en les rendant romains. Ça va les faire chier, ils vont devoir rester dans leur capitale, c'est con. Qu'est-ce que je peux faire? Là c'est mon tour, ouais. Alors, première légion Italia. Ah, déjà, j'ai perdu une cavalerie. Ah, très bien. Ah. Les augures sont clairs. Non, vraiment pas. Bien. Alliance défensive entre qui et qui? Sparte? Non. C'est la Macédoine qui récupère ça? Et bah la guerre n'en sera que plus intéressante. Alors, voyons voir. On a moins d'hommes, mais on est sur la défensive. Les ours audacieux et la gloire d'Hippone contre la Légion 3, Ionvia. Je sais pas ce que c'est Ionvia. On va faire un petit OK Google. Ionvia. Hyundai. Ouais, non, c'est absolument pas ce que je cherchais. Ionvia. Alors déjà, c'était la Légion 5. Et c'est quel territoire ? Ah oui, c'est la Croatie, ce genre de conneries. Ouais, on en a plus que 7. Groupe de combat paré et en attente d'ordre. Grâce à ces putains de génies. Salutations. Le Jupiter me donne la force. Infanterie de mêlée à vos ordres. Prêt pour vos ordres. Bon, le classique, hein. Le dent de scie. Principes. Brave Romain, sans exception. Groupe de combat en attente d'or. Je vais les mettre sur les côtés, comme ça. Général.
Non, le général va rester au milieu. Ennemis sont en approche. Moi, les troupes de renfort sont pas dingues. Je sais pas s'ils vont attendre les troupes de renfort, justement. Des loups en plein milieu du champ de bataille. Je sais pas si les chiens de guerre sont efficaces. Cavalerie, avancez! Ah, ils ont quand même une cavalerie. Mercenaires celtes. Cavalerie au galop. Quoi? Ils tirent d'aussi loin? Non, on devrait tirer dans le général. Ah, s'il y a moyen de charger dans le dos du général pour lui faire des dégâts. Ah là, on va charger dans le dos de la nasse. Pour la gloire.
unité a utilisé toutes ses munitions. Hop là, on a une infanterie qui vient d'attaquer. Alors cela on va éviter. C'est pas très guerrier là. Et voilà, mort du général ennemi. La bataille tourne en notre faveur. J'espère bien qu'elle tourne en notre faveur quand même. On continue, bien entendu. De nos unités a utilisé toutes ses munitions. Engagement. Général. Ils sont 60 là, 125 là. Neuf, 36. Ah bon, on va sauter là, puis sauter là-bas. C'est un peu tard. Ok, là ça continue. On a plus de 28. Ici ils sont combien ? Je sais pas si j'aurai le temps. Ouais, non, j'aurai pas le temps. Bien sûr que non, je n'aurai pas le temps. Là on les a massacrés en plein milieu. Temps pour cela. Hola, comment vas-tu? El Chapo.
T'as changé le pseudo. Plus que eux, vingtaine de personnes. Comment as-tu eu le chapeau? Oh. Allez, on quitte la bataille. Bon, on les a bien ruinés, ces petits cons. Les infanteries sont quand même vraiment pétées. Quand on voit les pertes qu'elles ont faites, c'est incroyable. Alors que eux, c'est uniquement parce qu'ils ont poursuivi des hommes, quoi. C'est quoi les Astatis, ceux-là? Je ne sais plus. La deuxième fois qu'ils lancent une attaque contre mon armée et qu'ils perdent, hein, c'est quoi? Principes. Principes. Stati, c'est les nuls. Rassemblement de réserve. Alliance défensive. Peut-être un mandescadon comme de l'argent. Et mon peuple vous verrait sous un autre jour. Né. Non, non, non. Je les attaquerai plus tard. Rang 2 de général. C'est ça, Jovia, que je cherchais tout à l'heure. Jovia. Hein, c'est la Légion 5, Jovia. Là que je trouve les différents noms des Légions, en fait. De toutes les Légions. Ah, mais il y avait une Légion 1, Jovia, aussi. C'est compliqué. Bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que la Légion 1, Italia... Voilà. On encercle, on attend les deuxièmes. On attend les deuxièmes. Bon, on les attend dans le doute. Ouais, ils sont déjà bien dans la merde quand même. Eux, il aurait plus que le général et un frondeur. Plus que le général, un guerrier à la hache, un frondeur. Oh la vache. C'est pas Jojo, quoi. Liste des légions romaines. Bon, il y a dû y avoir différentes listes à différentes périodes. Coucou le live, tu viens la muscu? Le live? Muscu? Ouais, je finis la bataille là et je partis. T'es prêt dans combien de temps? Ouais, je dirais 20 minutes et le temps que je m'habille. Donc une petite demi-heure. Oh, ok, à toutes. À toutes. Zorgli qui me fait peur là, comme ça. Putain. Y'a vraiment plus de respect, hein. Salaud. Jupiter me
regarder le retour. Alors. Cavalerie, il n'y en a pas, donc du coup, les triaries vont un peu se faire chier. Groupé et en attente d'ordre. Groupé et en attente d'ordre. Groupe de combat paré et en attente d'ordre. En fait, on va fermer pour faire deux triangles parfaits. Parfaitement dégueulasse, hein, actuellement. C'est peut-être mieux comme ça. Bon là, ce que je voudrais, c'est qu'ils remplissent en forme de triangle, mais bon. On va faire une croix dessus, hein. Ils sont au niveau combien, les balistes? Je sais plus c'est quel niveau, ça. Ok. Groupe de combat en attente d'ordre. Deves. On va les mettre devant et j'ai plus qu'une seule cavalerie. Oh non, je vais laisser derrière. C'est parti, on vous attend les copines. Tirez pas dès le début, mettez-vous en explosif. Les renforts ennemis sont en approche. Sans déconner que si on approche. Ah putain, ils vont attaquer dans le dos. Ah les putains. Mais j'avais mes renforts aussi normalement. On va s'occuper de ça. Baliste, commence à tirer là-dessus et maintenant, à partir de maintenant, tu peux tirer sur tout ce que tu veux. On part principalement sur du général ennemi. Hein. On va faire le tour. Une de
de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Même vitesse! Attaque chargée! Général! Chargé! Engagement! Infanterie de lancier, avançant! Meyari! La bataille tourne en notre faveur. Engagement! Brave Romain, sans exception. Astati! Reconnaissance! Pousse en avant! À votre commandement! En avant! Priyari! Nous attendons vos ordres. Avancez! Obidiamus! Astati! Nous gardons la vitesse! Hop là, on va finir sur cela. Trop pas de course! Rechargé! Général! Gardez la vitesse! Est mort. Infanterie lance projectile paré. Halt. Allez, on continue juste le temps de la charge parce que c'est vraiment le seum de pas l'avoir. Mais bon, voilà. Buter les troupes du général, c'est pas vraiment utile si on n'a pas buté la totalité de l'armée. Parce qu'ils peuvent reformer un général entier directement. Allez, nouvel Imperium. Bon bah du coup, eux, on les bute. Résolution auto. Guerre. Yedi yedi yolo. On a eu des pertes. 16. Quoi? Putain. En attente de plus d'armes. J'ai perdu. Ah, j'ai perdu ma cavalerie. Il est doux, il est beau de mourir pour Rome. Ouais, tout ça, tout ça. Crac, les cons. Légionnaire invincible, comme ici. Défense de Rome bonus, d'ordre public plus de max conféré. Par la présence de la culture d'origine, plus de morale. Ouais. Armée de vétérans. Voilà. Armée parmi les plus pétées de l'univers, hein, il faut se le dire. Une cavalerie en plus aussi. Deux comme ça aussi. On a terminé, on va pouvoir dire au monsieur, on fait la paix. Bienvenue, parlez. Allez, ne gâchez pas. Allez, la paix, je veux ça. Et
Donner statut d'état client. Cette option demande à ce qu'une faction devienne votre satrapie ou état client et profite de votre puissance militaire en échange d'un pourcentage de son revenu et dans le cas des satrapies, d'un accès militaire illimité. Les satrapies peuvent se retrouver entraînées contre leur gré dans un conflit. À l'inverse d'un allié régulier, elles ne peuvent pas refuser de se battre pour leur chef suprême. Cela reviendrait à lui déclarer la guerre automatiquement. Et ben voilà. Pour le bien de mon... Même pas trop. Hein. Toi, je m'ouvre les couilles. Toi, je vais te démonter. Faut que je passe sur toi. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis encore en guerre contre des gens. Les ruges. C'est qui les ruges? Ah, c'est eux, c'est vrai. C'est en guerre contre beaucoup trop de monde. Ça y est, il m'aime presque bien. Que mes ancêtres et mon peuple attendent que vous parliez honnêtement. Et allez! Ils sont plus qu'à moins 19. C'est déjà pas mal. Eux, ils sont à quoi? Traité rompu. Ah bah, c'est la bite. Eux non plus, les mêmes pas. Hein. Moins 150. Bah, je leur ai un peu cassé la gueule. Alors, mon empire actuellement, c'est ça. Donc, j'ai fini les Balkans. Je pense que je vais partir sur l'Hispanie. Puis la Gaule. Et là, avec mes armées qui sont là, je vais descendre en Macédoine pour récupérer ce territoire-là. Pour poser un premier pied en Grèce. Hop là. En tout cas, une chose est sûre. C'est qu'on arrête la partie. Voilà. Bon, ce fut une bonne partie, c'était cool. Merci à vous d'être là, d'avoir regardé. Et puis, des bisous à la prochaine fois. Allez, salut.